Je suis Florence Chardini, je suis modiste. Je crée des chapeaux et des ornements de tête pour les événements habillés. Je travaille avec des clientes qui viennent me voir pour des occasions assez heureuses. Beaucoup de gens n'ont pas forcément les mots, le vocabulaire pour parler des matières, pour parler d'un volume, de ce qu'ils souhaitent, mais j'essaye toujours de sentir dans ce qu'ils vont expliquer parfois un peu maladroitement, j'essaye de sentir où est-ce qu'ils voudraient que ça aille. Les inspirations sont assez variées. Je stocke beaucoup de matières qui peuvent ne pas avoir tout de suite de promesses, mais c'est ça qui fait qu'on n'est pas trop bloqué dans la créativité. Les techniques, c'est très varié. Il y a les techniques à la fois plus traditionnelles de la chapellerie. Ça peut être le gaufrage de la soie pour former des fleurs. Ça peut être le gaufrage du cuir. C'est tout le travail aussi de montage de perles, d'association de strass, de travail d'estampes en métal aussi. Tout ce que j'invente en rencontrant les matières. Le détournement de rubans de paille que je travaille en volume, pas de manière classique. Parfois, il y a une matière qui traîne sur mon bureau que j'ai oublié de ranger, que j'ai ressorti. Et puis, mon œil va juste la rencontrer, hop, ça va faire naître toute une idée. Ça, je trouve ça assez génial. Enfin, je pense que le travail du créateur, c'est ça, c'est d'arriver à sortir cette matière du néant, en fait, du chaos, et puis trouver une cohérence, lui donner une histoire, quelque chose d'un peu spirituel dans ce processus-là. Je trouve ça assez fascinant et presque un peu magique, divin, enfin.